La traque de Régis Tresson place les forces de l'ordre dans une atmosphère pesante dans un si grand soleil. En effet, les nerfs de Manu sont mis à rude épreuve. De plus, après sa menace armée contre locaux de l'hébergeur du site, il pose alors sa démission. Mais quelque chose va chambouler le commissariat dans les prochains épisodes. Diffusé dans le courant du mois d'avril 2000 sur l'antenne de France 2. En effet, quelques jours après son potentiel départ, Manu découvre que Régis Tresson Cyril de Lemorandre, subitement disparu de la circulation, sans même laisser de traces. Pourtant, le producteur de vidéo avait toutes les cartes en main pour pouvoir manipuler le polysémètre. Au péril, cette enquête autour du viol de Mélissa Hermine Grandvite et de sa mort quelques jours plus tard. Mais il ne donne plus signe de vie. Si un Zotello Azaï pense qu'il s'est exilé sur une plage loin de Montpellier, les fonctionnaires actent pour un assassinat. Hugo Bibit entre et persuadé que l'auteur est Christophe Hubert Bonhamdine, caché sous le trait du fleuriste. En effet, le vétérinaire exécutait le même mode opératoire pour tuer Patrice Angèle Pancordariusos, le meurtrier par intermédiaire d'Hervé Rostand. Selon le commando Beckett, profite cette théorie de justicier. Cela ne colle pas. Mais comment le médecin légiste va-t-il convaincre ce collègue de son idée? En tout cas, Christophe n'est pas en danger dans les prochains jours et très loin de les prisons. Dans le même temps, Louis-Sylvain Bocart est victime d'une terrible agression alors qu'il s'apprêtait à faire une fête pour se détresser des épreuves du bac. Mais son calvaire ne s'arrête peu de puisque son bourreau, Lionel Beaufort, a porté plainte contre lui. Cependant, il clame son innocence mais son casier judiciaire ne lui est pas favorable. Pour rappel, il a fait une fausse déposition pour se dédouaner de ses présences dans l'hangar au moment du meurtre de Myriam Pauline Paolini. Quelques jours plus tard, police, Louis s'agace que son agresseur ait dit des calomnies de son procès verbal et craint que la police penche pour son témoignage plutôt que. De plus, il s'emporte et pense que c'est par ainsi que ceux de Robin Lupuivou ne les croient. Mais c'est le cas contraire selon son ami. Pierre Colline Rameau-Pinte lui affirme que le propriétaire avait payé pour ses mensonges. L'autre cependant est très pessimiste et annonce un drame. A-t-il raison de ne pas faire confiance à la justice? L'inédit est un si gros soleil convaincu 3,41 millions de Français ce mardi 28 mars 2023 entre 20h46 et 21h09, soit 14,8% de part de marché auprès des 4 ans et plus. Sur une semaine, le feuilleton s'est révolté progressant de 0,3 points. Cependant, le saut presse devant ses parcelles de ménage sur M6. Les suites des aventures des habitants de Montpellier vont te retrouver dans les prochains épisodes. Les séries Ainsi Gros Soleil, diffusées du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur l'antenne de France.